Salut, c'est Wally de Newmark. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le riser effect. Pour le créer, il va falloir d'abord faire une boucle assez courte, donc de 1/4 de battement ou 1/8 de battement. Et ensuite, on va pouvoir changer la tonalité de la boucle en restant appuyé sur les boutons du pitch bend plus ou moins. Donc on va voir ça en musique tout de suite.